Située au nord-est de la France, en Lorraine, Metz est une ville de 120 000 habitants, au cœur d'une agglomération de 290 000 habitants, dont elle constitue le centre administratif, commercial et culturel. Son histoire, longue de 3 millénaires, lui a légué un patrimoine exceptionnel. Ancien oppidum gaulois, implanté au bord de la Moselle, Metz était, à l'époque romaine, avec ses thermes et son amphithéâtre, l'une des cités les plus importantes du continent européen. De l'antique Divo de Rome, Metz a conservé les principaux tracés. Le Cardo et le Decumanus, certains vestiges de constructions massives et de nombreux témoignages de la vie de ses anciens habitants. Saccagée par les Huns en 451, Metz redevint une ville prospère, berceau de la dynastie carolingienne. L'évêque Arnoux et ses descendants, parmi lesquels Charlemagne, ont contribué au rayonnement de la cité dans la chrétienté. Bien qu'appartenant au Saint-Empire romain germanique, Metz bénéficiait, à l'époque médiévale, d'une indépendance politique et économique propice à son épanouissement. La cathédrale Saint-Étienne témoigne de la grandeur artistique de toute cette période. Ses dimensions intérieures, comparables à celles d'Amiens, se combinent à des prouesses techniques impressionnantes. Elle est, de toutes les constructions gothiques érigées en Europe, celle dont la structure est la plus ajourée. Ses 6500 m² d'ouverture abritent un remarquable ensemble de vitraux. En 1552, le roi de France, Henri II, s'empare de Metz. Il ordonne la démolition préventive des faubourgs pour résister au siège de Charles Quint. De nombreuses églises et abbayes disparurent, emportant avec elles un passé prestigieux. Devenue française, Metz ne verra officialiser son appartenance au royaume qu'en 1648 grâce au traité de Westphalie. Sous le règne de Louis XIV, le rôle stratégique de Metz se confirme. Vauban en étudie les fortifications. Mais c'est l'un de ses disciples, Cormontaigne, qui les réalise. En 1727, Louis XV nomme le duc de Belle-Île gouverneur des trois évêchés. Celui-ci accomplira à Metz, durant trois décennies, une œuvre considérable. L'île du Saulcy, marécageuse, est asséchée pour accueillir la place de la Comédie. On y bâtit de beaux édifices classiques. Pour désenclaver le centre de la cité, Belle-Île fait dégager, à partir de 1754, les abords de la cathédrale. De nombreux bâtiments ecclésiastiques sont détruits, mais l'on tarde à reconstruire. C'est le maréchal d'Estrées, successeur de Belle-Île, qui en 1761 lancera les travaux. Il charge Jacques-François Blondel, l'architecte théoricien le plus réputé de son temps, d'établir un projet. Membre de l'Académie royale d'architecture, auteur d'importants traités, Blondel élabore un plan magistral qui dote le cœur de la cité d'un ingénieux système de places. La place d'armes est l'élément majeur de la composition. L'hôtel de ville en délimite le grand côté. Au pied de la cathédrale s'étend une galerie basse. Celle-ci s'articule avec un corps en saillie qui constitue le portail principal de Saint-Étienne. Grâce à ce puissant portique classique, Blondel parvient à contenir l'échelle vertigineuse de la cathédrale, devant laquelle il crée une seconde place qui dessert, de part et d'autre, le palais épiscopal et le Parlement. Sur la face nord de Saint-Étienne, l'architecte aménage une vaste terrasse en surplomb de la place de chambre, avec laquelle elle communique par deux escaliers latéraux. Réalisé de 1764 à 1771 par Louis Gardeur Lebrun, le projet de Blondel est l'un des meilleurs ensembles urbains du XVIIIe siècle.
le Parlement n'est pas bâti. La construction du palais épiscopal, interrompue par la Révolution, sera reprise en 1831 pour en faire un marché couvert. Le XIXe siècle représente, dans l'histoire de Metz, une période ambivalente. Riche en succès économiques, grâce à l'essor de l'industrie lorraine, mais aussi en événements tragiques liés aux convulsions de l'histoire européenne. L'exposition universelle de 1861, inaugurée par l'impératrice Eugénie, illustre bien les potentialités messines. Mais la guerre de 1870 plonge la cité dans le chaos. Le traité de Francfort, signé le 10 mai 1871, cède l'Alsace et la Moselle à l'Allemagne. Metz perd un quart de sa population française. Ce déficit sera comblé par la venue d'immigrés allemands. Sous les règnes des empereurs Guillaume Ier et Guillaume II, Metz se métamorphose. Durant 5 décennies, la ville sera le théâtre d'une véritable reconfiguration de son territoire. Son patrimoine architectural est remodelé, tandis que prend forme, en extension de son noyau ancien, un quartier neuf, à la fois fonctionnel et pittoresque. 2 secteurs de la ville témoignent de ces transformations. Le noyau historique constitué de la cathédrale, des places de Blondel, de la Comédie. L'extension allemande avec la gare, l'avenue Foch, les places Mondon et du Roi Georges. La restauration de la cathédrale est l'un des projets majeurs de la période. Il mobilise à travers l'architecte allemand Paul Tornow tout le savoir accumulé par cette aristocratie intellectuelle du néo-gothique qui transforme alors le visage de nombreuses villes européennes. La démolition de la galerie de Blondel, esquissée avant l'annexion, laisse apparaître le portail Notre-Dame, aussitôt réhabilité par Tornow en collaboration avec le sculpteur français Dujardin. Tornow imagine le remplacement du portique classique de Blondel par un portail d'inspiration médiévale. C'est en France qu'il ira chercher, avec Dujardin, les modèles les plus adaptés. La déconstruction du classique au profit du gothique a produit à Metz une confrontation stylistique d'une valeur exceptionnelle. Outre cet enracinement dans la théorie architecturale du XIXe siècle, le paysage de Metz cristallise les drames de l'histoire européenne. Metz, grande cité protestante de France, perdit sous Louis XIV, avec la révocation de l'édit de Nantes, 1/5 de sa population. De nombreux lieux de culte furent détruits. Le retour du protestantisme à Metz, à travers cet autre drame que fut l'annexion, se traduit dans le paysage de la ville par l'éruption des flèches du Temple Neuf et du Temple de la Garnison. Le Temple Neuf n'a pas détruit l'harmonie de la place de la Comédie. Il l'a dramatisée en une unité contradictoire expressive de l'histoire de la cité tout entière. Mais c'est en périphérie du centre historique que se joue, au début du XXe siècle, l'avenir de Metz. On avait bâti, dès 1878, au-delà des fortifications, une gare en style néoclassique. En 1901, Guillaume II ordonne l'arasement des remparts. Conrad Van est chargé d'établir un projet d'extension. S'inspirant des nouvelles théories urbaines en vigueur en Allemagne et en Angleterre, l'architecte élabore un concept original de ville-jardin. Le réseau Villers découpe la zone en îlots irréguliers, maillage favorable à la création d'une architecture diversifiée. La place de la gare, avec ses grands hôtels et ses immeubles d'habitation, constitue le pôle monumental du nouveau quartier. Construite de 1904 à 1908, la gare adopte un style néo-roman emprunté, selon les vœux de Guillaume II, à l'architecture médiévale rhénane. Du côté des quais, on accède au pavillon du Kaiser par un vestibule néo-byzantin. La salle de réception est ornée d'un vitrail en hommage à Charlemagne. Face à la gare, la poste centrale s'inspire des anciennes forteresses allemandes. Son architecture intérieure est richement décorée. Les rues et les places du nouveau quartier sont traitées en fonction des programmes qui les bordent, immeubles, équipements, villas, subtilement hiérarchisés dans la structure urbaine.
La participation de Metz à des mondes opposés mais culturellement imbriqués lui a créé un destin unique en Europe. L'abondance et la diversité des chefs-d'œuvre que compte le territoire de la ville est exceptionnelle, mais c'est l'agencement de ces éléments dans l'espace urbain et le paysage qui en résulte, qui en constitue la principale singularité. Critère 1. Metz comporte des édifices remarquables, dont certains, la cathédrale, l'hôtel de ville, le temple neuf, la gare, la poste, sont des chefs-d'œuvre de valeur universelle exceptionnelle. Critère 2. Le patrimoine messin témoigne des débats théoriques qui ont animé toute l'Europe au XIXe siècle dans le champ de la restauration des monuments anciens, de la planification des villes et de l'harmonisation du paysage urbain. Critère 4. Le centre historique de Metz et son extension illustrent l'émergence d'une prise en compte inventive du passé pour créer, à travers la restauration des monuments anciens, comme à travers la construction de bâtiments neufs, une identité architecturale, urbaine et paysagère moderne.